Salut tout le monde, c'est Jack Tarsonis et on se retrouve pour la suite de Forza Horizon 2. Je le sais de plus en plus bien cette espèce d'accent là con. Donc, comme prévu, Mercedes-Benz SLS truc machin bidule, j'ai pas lu la suite, je trouve que c'était AMG. Alors, il est 11h34, très bien. J'aimerais bien essayer de filmer. Faut que j'aille au fossé l'horizon, ça, normalement. Ouais. Vous savez quoi, on va faire la grange maintenant, j'essaie de la trouver. Donc j'aimerais bien essayer de filmer plusieurs épisodes d'aujourd'hui. Au moins deux. Donc en comptant celui-là. Puisque en fait je vais être à la Japan Touch à Lyon. J'allais traîner mes baskets là-bas. En compagnie de ma chérie et de trois copains d'Amatest. Et donc du coup bah je pars le vendredi et je reviens le. Ouais, au gros je pense que je vais mettre là puis je vais suivre les armes. Je reviens que le mercredi. Donc ce qui fait qu'en fait j'ai deux épisodes de Forza à voir en avance. Faites demi-tour dès que possible. C'est bien moteur d'allemand, y a pas de doute. Cette espèce encore une fois de lag qu'il y a, les accélérations, je sais pas d'où ça sort, c'est le jeu qui bug ou c'est normal? À 200 mètres, restez à gauche. Restez à gauche. Donc ouais, j'ai deux épisodes à voir en avance, pareil au niveau de Borderlands 2, mais Borderlands, j'ai toujours l'habitude de Borderlands pré-séquel. Alors voyons voir, on m'a dit flèche du bas, ouh mais y'en a plein là. Ah non, ça marche pas, ni flèche du haut, ni flèche de bas. Je me souviens plus du pseudo parce que comme d'habitude... Putain, désolé. Il m'a limite fait peur en plus ce SMS. Parce que oui, comme d'habitude, moi les pseudos, je les oublie tout le temps. Je suis désolé, faut pas le prendre pour vous, hein, c'est comme ça, je suis très mauvais au niveau des noms. Sauf si évidemment c'est une personne que je croise souvent ou quoi, ou voilà. Il y en a qui m'a gagné 16 200, c'est pas mal. Oula. Qui m'avait dit que ouais, avec une des flèches, peut-être gauche-droite. Non, pas gauche-droite non plus. Tournez à gauche. Non. Ah, il y en a encore une autre de photos à prendre. Vache, dis donc, dès le début, on a pas mal de photos à prendre. Quoi, en utilisant les flèches directionnelles, Ça comment? Ça aurait été d'accéder directement au mode photo, mais écoute, mec, je suis désolé, mais ça marche pas en fait. Je pense pas que ce soit mes touches qui soient nazes. Parce que si ce serait le cas, ça me ferait un peu chier quand même. Putain, j'ai l'impression que je fais une musique. Ah bah oui, je suis con, c'est pour les radios. Les touches là. Par contre, attendez, niveau de la musique, j'ai l'impression de l'entendre vachement fort. C'est moi qui bougeais le son ou... Non, d'accord. Bon, moi, je sais pas. Alors, est-ce que ce serait là-haut, du coup? Ouh, les ronds qui se déploient, la classe en slip. Allez, là. La dernière grange. C'est bordel cette bagnole. Ah oh ouais, on passe la dizaine. On traverse l'Europe, on trouve des voitures incroyables dans des granges. Ouais, la vie rêvée quoi. Y a rien de mieux. Je me disais aussi, j'en avais pas encore vu. Waouh, non. C'est une Lamborghini Miura? J'y crois pas, c'est l'une des plus belles voitures jamais créées et quelqu'un l'a laissée là, à l'abandon, je rêve. En tout cas, belle trouvaille. J'ai hâte de commencer à la bichonner. Ah, ça c'est fait. Donc maintenant, Festival Horizon. Ok, je t'appellerai dès que je lui aurai refait une beauté et qu'elle sera prête. Je disais donc, wouh, petit panneau. Faites demi-tour dès que possible. Vous êtes passé au niveau supérieur. Putain, mais décidément, ça va pas s'enchaîner, je peux pas parler.
Oui, donc j'aimerais bien avoir quelques épisodes d'avance. Bon, au niveau de Borderlands pré-séquel, ça devrait pas poser trop de problèmes, parce que, je fais... je fais mes sessions d'une heure. Non, je fais plutôt des sessions de 2h30, des fois. Enfin, j'ai filmé 3 sessions, en fait, elles ont les deux duré 2 heures. Les deux. Oui, si, j'ai filmé 3 sessions, il y en a deux qui ont duré 2 heures. Parce que là, une que j'ai fait d'une demi-heure, vite fait, là, tout à l'heure. Pas tout à l'heure, hier. Et ça va, mais cette voiture normalement elle a plutôt la réputation d'être d'une savonnette normalement en vrai. Mais ça va, là elle est boostée et tout dans le jeu, ça marche. Ça roule droit. Encore ! Décidément. Bon, ok, moto qui passe dans la rue. Oh, la Honda Civic, j'avais pas pris en photo. Ah bah, je l'ai mis une autre derrière. Mercedes-Benz Horizon A45 AMG. D'accord, donc en plus les versions spéciales Forza Horizon elles comptent quoi, c'est... D'accord. Est-ce qu'il doit plus y avoir plus de 200 photos à prendre? Là, bon, j'ai X15 la pare-choc arrière. Elle était où celle derrière? Au niveau du freinage, par contre, c'est un peu compliqué. Putain, j'ai passé la marche arrière quand même beaucoup. Au niveau du freinage, c'est un peu chaud à gérer en fait. San Giovanni, Nice, Masséna. Alors, le champion a pris sa décision. La destination de ce road trip sera Nice, Masséna. Profitez du paysage. Nice est l'une des plus belles villes du monde. Alors, ils ont GT. Voiture actuelle, super GT. Ah, j'essaie de pas oublier la vue intérieure. Ah, mais... Bah tiens, monsieur Tug. Tug. Oui, je peux m'enregistrer le Tug. Donc, eh bien, monsieur Banane. Je sais toujours pas pourquoi j'ai tout le temps monsieur devant, mais c'est pas grave. Oh putain, j'ai mal évalué la distance. Sinon, qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Ah, je suis deg, je suis un peu plus renseigné. Et ouais, j'avais parlé que peut-être il y aurait une réduction sur Xbox One là pour les vacances, enfin pour les vacances pour Noël. Et bon, en fait, non, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas en Europe. Comme une fois de plus, en Europe, on est lésé. Ah bah, cette vitesse, bah bien! C'est vrai que j'ai pas réglé la boîte, je crois. J'ai mis une boîte, mais je l'ai pas réglée. Bon, elle est pas trop mal comme ça, je pense. Ok, une 8ème. Non, y'a pas de 8ème. Donc ouais, une fois de plus en Europe, on est laissé sur le carreau comparé aux États-Unis et puis au Japon, parce que on n'a pas de console chez nous. On n'a pas de console française. À quoi une console française? Je vous le demande. Mais une vraie, de cette génération, parce que il y en a eu 2-3 quand même essais de console française, de ce que je sais. Mais rien de forcément très... À 400 mètres, tournez à droite. Rien que vous donner une érection monumentale, quoi. Tu veux bien me garder mon score, s'il te plaît, parce que j'ai un peu de paumé. Non ? Non, tu veux pas ? Voilà. Encore une photo ! Vous en faites pas, c'est bientôt fini. On aura bientôt fini avec toutes ces photos à la con. Ah, je pense qu'il doit y avoir 200 photos à prendre. Donc il doit en rester 6. Ça, les chances déjà d'en croiser diminuent grandement. Et
Et au pire des cas, on aura bientôt fini avec ça. À 400 mètres, tournez à droite. Quoique jusque là, j'ai entendu personne se plaindre. On va me donner des conseils du coup en me disant « Ah bah, il y a la touche machin qui devrait t'aider. » Bon bah d'accord. Bon, ça va aider. Bah, allez, mais... On a pas l'habitude de la vie intérieure. À 400 mètres, tournez à gauche. Ah, elle accroche, hein. Tournez à gauche. Si t'as le con dans le virage, elle accroche quand même. Allez, dégage. Fuck les plantes. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Elle va être compliquée à gérer, je pense, cette voiture. Je sais pas pourquoi. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Ah, tu restes dans le chien un petit peu. » En tout cas, déjà, on a réglé le problème des granges. Bienvenue au championnat Super GT. Il y a vraiment des voitures de fou dans celui-là. Déjà deux Aston. Allez, choisis une course. J'ai vraiment hâte que ça commence. Alors, on a quoi de beau? Ok. Ça, ça dit quoi? Ça, c'est comme ça. Et une course de rue comme ça. Ok. Et ça, ça met où? Ça vient par là-bas. Ok, bah... En gros, ça fait un circuit en plus au niveau de... différents emplacements de... de course. Ah non, tac, voilà. Différents lieux de course et là où est-ce qu'ils mènent. C'est pas vrai! Le nombre de photos à prendre qu'il y a. Des fois qu'il y en a une autre bloquée dans le coin. Ouais, il y en a une autre. Bon, ben, plus que 4. Ça m'est... En fait, du coup, je suis pas sûr de mon coup là d'un coup parce qu'il y a beaucoup de voitures à prendre en photo qui sortent de nulle part. Alors que je pensais qu'il en resterait presque plus. Vous êtes arrivé à destination. Musique. Cette musique, il va peut-être me valoir une vidéo repérée. Et du coup, vous aurez un son tout pourri. Mais c'est, je l'ai pas du tout senti partir. J'ai accroché un peu le trottoir, ça a fait wouhou. A plus les mecs. Moi je vais dire bonjour à mon cul. Allez. Lui au commentaire m'avait dit oui, pourquoi est-ce que tu boostes pas les voitures à fond. Alors je suis revenu plus ou moins plusieurs fois sur le sujet au cours du truc, mais je viens faire un résumé du coup. Le problème si je booste mes bagnoles trop fort, oula, c'est que je... Oh putain, elle est chaude à gérer avec la pluie. Alors le truc c'est que déjà de base si je mets une boîte de vitesse de course réglable et que je la règle, souvent j'obtiens déjà de base un gros avantage sur mon adversaire et aussi de par le choix de mes améliorations. Parce que par exemple, si les IA décident de booster leur caisse en augmentant uniquement la puissance et en faisant rien au niveau de l'allègement, suspension, tout ça, en virage je vais juste les cramer, mais quelque chose de violent. Donc ça a parfois tendance à déséquilibrer la course du coup. Et bah,
À la limite, ce que je pourrais faire, ce serait augmenter la difficulté des IA, sauf que j'aurais une voiture qui serait en plus plus difficile à conduire, puisque plus puissante, donc il faudrait que je rajoute peut-être même des aides au pilotage, ce qui m'intéresse pas vraiment. J'aime bien pouvoir faire le con et puis devoir faire gaffe à ce que je fais un peu quand même. Et si je mets les IA trop puissantes, ça me demande d'être trop concentré sur la course. Et je sais pas pour vous parler ne serait-ce qu'un petit peu, c'est raconter 2-3 conneries. Et ben, j'ai pas l'intention de faire du 100 commentaires sur cette série, quoi, du no commentary comme ils disent. C'est. Sinon, ben, vous pourrez très bien voir ces vidéos n'importe où. Donc, y a pas la petite touche tarsonienne, on va dire. Il me semble qu'il y avait autre chose que je veux dire. Oui, puis globalement, je m'amuse plus avec des voitures en classe, on va dire S grand maximum. Bah, c'est le cas de celle-là. Parce que je peux avoir des bagnoles qui, certes, sont puissantes, mais qui accrochent encore pas mal la route. Que quand on commençait à vraiment augmenter les niveaux. Si vous êtes pas sur une 4 motrice, ça devient quasiment incontrôlable au niveau de l'accélération, tout ça. Putain, pourquoi ça tombe pas? Et bah, ça m'intéresse pas forcément, quoi. Ça serait chiant à contrôler vraiment. Et après, on retombe dans le problème qu'il y avait eu sur Forza Motorsport 5, quoi. Dans un sens, si je m'amuse pas, j'aurais du mal à sortir les vidéos, j'arriverais pas à me dire allez, vas-y, c'est parti, je fais une vidéo de Forza Horizon 2. Non, ça va être plutôt comme Forza 5. Bordel, fait chier, faut que je refasse un coup de Forza 5. C'est pas exactement ça non plus sur Forza 5, mais voilà, c'est un peu l'idée parfois. C'est vraiment, c'est un peu la flemme, j'y vais pas avec le sourire, quoi, on va dire. Ah. Wouh. Ok. J'ai eu bon faire toutes les techniques que je connais pour essayer de retracer une voiture quand je fais du drift. Ça a pas marché là. Avec la pluie, c'est foutu quoi. La pluie là, elle est violente là. Je sais pas pourquoi ça marche vraiment pas là. On va essayer de garder une vis à peu près correcte, mais ça veut pas quoi. Un peu mieux sur la fin, ça j'ai le temps. Mais donc ouais, vous voyez, dès qu'on commence à taper dans des voitures puissantes et qu'un minimum à régler, entre guillemets, parce que vraiment niveau réglage, moi je fais mes réglages de boîte comme j'aimais à peu près et puis c'est bon, c'est. Après je suis paumé. Yes, encore une victoire. Oula, ma chaise elle fait un mouvement chelou. Et il y a Aurélie et Tug qui sont tout en bas avec leur Ferrari F12. Alors les mecs, vos drive attack, ils sont pas niveau? Enfin les mecs, Aurélie, je sais pas, j'ai pas eu de réponse dans les commentaires pour l'instant. Donc je sais pas encore si c'est potentiellement une femme ou un homme, je ne sais pas. Parce que certains vont me dire, bah Aurélie c'est forcément une fille, voilà, c'est un nom de fille. Bah oui, mais il y a des noms en fait qui marchent aux deux et je crois qu'Aurélie en fait partie, il me semble que ça peut arriver. Hey, si jamais tu passes par le garage, sache que ta Miura est prête. Cool. Mais tu peux prendre ton temps, je me lasse pas de l'admirer. Parce que c'est comme les Daniel, bon après c'est pas écrit tout à fait de la même façon. Il y a aussi les Claude, Paul, enfin il y a Paul et Paul. C'est pas tout à fait pareil, mais bon, franchement, pas différent que ça fait. Ah bah, non, je vais pas faire plus proche épreuve parce qu'il y a un petit circuit à faire du coup qui permet d'être assez proche des trucs. À 200 mètres, tournez à droite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme truc du style Tournez à gauche. Je crois que Carole. Je crois que Carole, ça peut aller aux deux. Enfin bref. Il me semble que ça arrive que parfois il y a des garçons qui s'appellent Aurélie.
On le saura peut-être un jour. Mais vraiment, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez le jeu, à venir grossir les rangs du club. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment fun de jouer, puis de savoir que y a vos drive avatars qui sont là, du coup, ça rajoute un peu de sel, un peu de compétition au truc. Même si c'est pas vous qui êtes là, c'est sûr. C'est quand même sympa. Moi, ça m'amuse bien. Parce que, il se met comme le virage. Il se fait comme ça le virage. D'accord, ok. Ça glisse un peu. Ok, au top pour moi. Ça tient pas forcément trop la route, en fait, cette voiture. Un peu renverser les poubelles. Après les éboueurs, ils vont encore se mettre en grève. Ah, ça tourne pas! J'éprouve la plus grande difficulté à faire tourner cette voiture. Pour une raison qui m'échappe. Allez, tourne! Tu vas tourner, oui! Non, mais oh, c'est qui le patron là? Ah, je préfère ça, non, mais oh. Ah là, elle veut pas tourner. Hop, la petite claque sur le cul, tu pars en crabe, salope. Non, mais oh. Tataïaïaï. D'accord. Tataïaïaï. Ok, c'était nul. Moi, je m'arrête tout de suite. Allez, on rattrape sur la fin. Hop. Bon, ça s'avérait un peu compliqué en fait à gérer cette voiture. Ça fait du pilotage. Oula. Je suis désolé, j'ai un peu cogné très fort dans le micro. Encore une fois, les drivateurs des copains qui sont tout en bas. C'est bizarre parce que sur les épreuves off-road, le drivateur d'Aurélie était bien classé. J'ai même eu du mal à le dépasser une fois. Mais là, il est au ras des pâquerettes, quoi. Il n'en peut plus. Anna. Plus proche. Épreuve. Ok. Calcul d'un itinéraire vers la prochaine épreuve du championnat en cours. Oula. À 400 mètres, tournez à droite. J'ai hâte de pouvoir me reprendre un abonnement au live quand même. Parce que je dois dire que ça commence à me manquer de faire du drift en multijoueur. Bon, après, c'est même pas dit qu'en ligne j'arrive à trouver des gens sympathiques avec qui faire ça. Et vraiment, je suis nostalgique, mais à un point, mais c'est violent de l'époque de Forza Motorsport 2, quoi. J'ai passé tellement d'heures sur le multi. À drifter avec des mecs, des fois, que je connaissais même pas du tout.
dès que j'ai même vu qu'une seule fois. Ah, c'est comme ça qu'on passe des virages. Enfin, je comprends mieux pourquoi dans Top Gear il la faisait déraper comme pas possible. C'est parce que sinon elle tourne pas. Et franchement, j'arrive mieux à la manier quand tu la fais partir en crabe. Pingouin, le pingouin des ténèbres. On dirait un autre carte Yu-Gi-Oh. Le pingouin des ténèbres. Je crois qu'il existe en plus en fait. Attends. Non, c'était pas le pingouin des ténèbres. C'était le spadassin pingouin ou je sais pas quoi. Je suis avec qui je confonds. Quoi que c'est peut-être bien possible que dans le tas il y en ait un qui existe. Parce que oui, je suis un grand joueur de Yu-Gi-Oh! Enfin, j'étais. Juste s'ils commencent à mettre des monstres synchro à la con avec des motos et tout. Alors là, j'ai complètement paumé le machin, j'ai fait laisse tomber. C'est pute pour toi. Ah, le m'as-tu vu, il est complètement assumé là. Ah, le succès m'as-tu vu, je le mérite amplement quoi. Je suis passé devant le mec tranquillement. À peine plus vite que lui en drift quoi. Juste devant le pare-choc sans toucher. Limite, j'ai bien envie de mettre le replay juste pour voir ça. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre le replay et je veux revoir ça. Je suis passé mais en... Tranquille, là là là. La route est à moi. Bonjour, comment ça va? Un café peut-être? Non. Je pensais que je passerais un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Mais non, pour finir c'était en plein milieu. En fait je me suis tellement concentré dessus que j'ai été dessus quoi, je crois. C'est limite ça quoi. Alors, y'a voir, c'est Glory Maker avec une Alfa Romeo qu'il faut que j'essaie de trouver. Y'a voir. On va rigoler. Alors, masquer lui, enlever caméra, on va bien avancer. J'aurais changé de. Recommencer, type de caméra, prendre photo, quitter. Pas changer de. Wouah. Attendez, c'est quoi cette arnaque? Je peux pas. Je peux pas changer. Je peux pas choisir quelqu'un d'autre comme. Une autre voiture. Sérieux quoi. Comment vous dire que je suis un peu dégoûté? Est-ce qu'il n'y aurait pas un club caméra comme ça pas pour voir? Peut-être celui-là. Non, pas éloigné. Au bout. Ah, peut-être celui-là. Faut avancer. Vue de 3 quarts. Non. Vite toi peut-être. Non. Oh putain, c'est passé pas loin.
ta rembobine à coup. Ah, du coup, les caméras, hélicoptère, capot. Et voir. C'était pas mal. Type de caméra, suivi, rotation libre, rotation lente, travelling. Caméra de jeu. Est-ce que je peux changer les angles? Ah, je peux d'accord changer ces angles-là. Bon, tant pis. Tant pis. Je suis dégoûté. C'est quoi ce délire? On peut pas choisir les autres voitures comme point de vue. Oh la vache, ils ont complètement foiré le mode ralenti en fait. C'est genre violent quoi. Je ne vous cache pas ma déception. Ce qui est dommage en fait, c'est surtout que bah du coup on peut pas faire de vraiment beau montage quoi. Bien obligé d'être le caméraman quoi. Et c'est quand même moins amusant quand on peut pas participer à la fête, on va dire. Parce que vraiment, il y avait. Je vous recommande de taper Forza Motorsport. Et montage, il y en a des très très bons, notamment à l'époque il y avait les Blackjack qui faisaient des montages de fou des fois. Mais c'est bien simple, ils faisaient des montages tellement de ouf qu'ils ont été embauchés pour faire un trailer pour Forza Motorsport 3. Pour ceux qui ont déjà vu et pour ceux qui vont le voir, le trailer. Vous voyez toute une bande de mecs faire du drift sur le Fuji Mikado. C'est ces mecs-là. Ils ont tellement fait de montage, ils ont été tellement reconnus à l'époque qu'ils ont été pris quoi directement pour faire le trailer quoi. Tranquille, pépère. Bravo, t'as vraiment bien géré. Il te reste plus qu'à gagner la prochaine course et le championnat est à toi. Après, ils ont un peu mal vieilli leur montage parce que bah ils datent quoi quand même maintenant. Hein. Je veux dire, à l'époque déjà, l'HD on connaissait pas du tout. Hein. Parce que là, on remonte quand même à Forza Motorsport 2. Et ouais, si l'HD on connaissait quoi, mais pas trop sur le net quoi. Vous faisiez une vidéo en 480p, c'était déjà de la bonne qualité quoi. N'empêche, ça me rajeunit pas ça quand je suis en train d'y penser. En ce moment, je me sens tellement vieux à ressortir des vieilles références et tout. Et j'ai même pas encore 25 ans, hein. Et je me sens déjà des fois comme un petit vieux, quoi. Avec un truc tout con, les disquettes, quoi. J'ai connu les putains de disquettes, les gamins de maintenant, vous dites, vous parlez de disquettes. Vous leur demandez de quoi ça vient le petit logo pour sauvegarder. Les mecs, ils savent pas, quoi. C'est... Je me sens vieux. C'est horrible quoi. Je suis périmé avant l'heure quoi limite. Oula. Ouais, c'était un passage de vitesse fort aussi. Concentration, je vais peut-être essayer de passer premier. Merde, c'est elle qui va y tourner. J'avais pas vu. Il y a un petit dépassement agressif. Ouais, ça passe. Ouais, il était plus agressif que ce que j'avais prévu. Hein, bravo, c'était
Je pensais pas forcer à ce point. Pas sur tes lauriers si tu veux devenir le champion d'horizon. En fait, les voitures sont pas mises sur la exacte sur la trajectoire que j'avais en tête et donc du coup, c'est un peu tapé, hein. Ça a un peu frotté. Bah, c'est pas grave. Elle serait un vrai joueur, je m'excuserai quand même à la fin, mais là. Alors, il est midi 10. Midi 10, ça sonne bien là, midi 10. J'avais dit qu'il était 34 tout à l'heure. Donc on a quoi, 20 minutes? Encore 20 minutes de vidéo à faire. Par contre, je sais plus s'il y a des courses à faire dans le coin. Mon portable, je peux pas poser autre part parce que si Hearthstone. Bon, on n'a plus rien à dire. On va dire le poser là. Rendez-vous à la plateforme dès que vous serez prêt et on passera à l'étape suivante du road trip. Alors, on va éviter de trop s'éloigner peut-être si possible. Il y en a une là, de la défi collector. Ah bah, en plus, c'est la voiture qu'on me demande souvent. Enfin, qu'on m'a beaucoup demandé. Je sais plus le pseudo, désolé mec, vraiment. Je sais que t'as mis beaucoup de commentaires, t'as été très présent, mais vraiment, j'aimerais bien vraiment réussir à retenir vos pseudos, quoi, parce que bah, faut rendre un petit peu hommage dans un sens. Je sais pas si le terme est très, très bien choisi, mais ouais. Histoire d'un peu vous remercier, oula, de poster vos commentaires et tout, mais je suis vraiment. Super mauvais pour ce qui est de retenir les noms. Vraiment, des fois, les noms des personnes avec qui je bosse, à qui je travaille, hein, il me faut bien une semaine, si c'est pas deux, pour réussir à bien les avoir en tête. Hein. Et même après, c'est compliqué. Ça va faire un an que je suis avec ma copine actuelle. Et j'espère bien que ce sera la dernière. J'ai encore du mal à me souvenir des noms de ses parents. Tournez à droite. Je vous raconte pas la honte. Coucou toi, tu vas finir dans mon carnet photo. Allez, encore deux et on en a 200. Et merde. J'espérais qu'elle finisse par tourner, mais non, elle n'a pas été motivée. Ah mais oui, c'est la voiture que je voulais choper l'autre coup quand j'ai fait la vidéo HS. Et qu'en fait elle était au-dessus. Oula, attendez voir. Parce qu'il y a un truc, c'est beaucoup trop évident pour que ce soit honnête. Non, y'a rien ici. Ah, je me sens arnaqué quoi. Ça me paraissait tellement gros qu'il y aurait quelque chose de planqué dans ce petit coin à la con. Wow. Oups. Bah, c'est pas grave, c'est une location. En même temps, même si ce serait une location, le prix que ça coûterait, Là, on peut pas aller voir s'il n'y a pas des choses cachées ici. Si je les ramène en mauvais état. Le coût de la caution, voilà, c'est ça que je cherchais comme. Oh, comment je l'ai effleuré, comment je l'ai tapé, alors que. En fait, normalement, non. Allez, on est parti. On va tester un coup. Expérimenter l'adhérence d'aimant d'une LaFerrari.
Intéressant. Battre l'objectif de vitesse. Vraiment, chez Ferrari, ils ont le don pour faire des moteurs de... qui font des bruits de F1. La question que je me pose, c'est est-ce que je vais encore devoir gruger pour réussir à passer le... point de vitesse. Hop, hop, hop. À quelle vitesse demander? À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Ah, c'est une zone de vitesse, d'accord. Ça va, c'était facile celle-là. Parce que vraiment, l'autre, il faisait pas du tout passer par le bon chemin quoi pour réussir à le réussir. On doit encore avoir le temps de s'en faire encore une petite. Il est 15. Wouh, t'es mon bouchon body. C'est la fête! Push it up in the air! Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau à voir ensuite? Ah, il y en a une là-haut. Une Lancia Delta, intéressant. Je suis sûr qu'il y aura des panneaux en plus que j'ai pas dû prendre le chemin vu qu'il n'y a pas de route pour y aller. Quoique j'ai encore le choix de la prochaine voiture à faire. Allez, on va retourner au festival. Et on va choisir la prochaine voiture. Ah bah je peux même y aller comme ça. Là. Quoi? Je peux pas passer par l'autoroute? Ah non, elle passe au-dessus. Du coup ça risque peut-être de mettre un peu trop de temps, le temps que je fasse mon choix en fait. Parce que j'ai même plus la liste en tête, bah je sais, j'ai quand même quelques noms de voitures qu'on m'a demandé qui sont encore présents dans mon petit crâne de piaf, mais... Je sais pas du tout laquelle je pourrais bien prendre. J'ai pas envie de prendre une japonaise maintenant parce que ben ça va, on a encore de la marge quand même. Après, voyons voir, ça fait deux européennes de suite que je prends. Vu que la précédente. Ah non, 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 je suis dit de la merde. Non, la précédente c'était pas l'Audi, c'était la, c'est la Jeep. Eh ben j'ai bien envie de me faire une bonne grosse muscle car. Ensuite peut-être faire un coup d'européenne, voir ce qu'on me propose. Enfin voir ce qu'on me propose, voir ce qui est dans la liste. Et peut-être après faire une japonaise. Ça fera quand même 4-5 courses avant d'en prendre une. Moi je commence à plus pouvoir hein, moi je deviens fou. Je deviens complètement fou. Faites